En Côte d'Ivoire à présent, le mois d'août rime chaque année avec les soldes générales. Mais cette période où les rabais inondent le marché ne mobilise visiblement pas les Abidjanais. Le constat sur place avec nos correspondants Stéphane Soumaoro et Malou Yao. Initié par le ministère du Commerce, le mois d'août est la période officielle des soldes générales à Abidjan. Une occasion unique pour les grands magasins pour écouler leurs stocks. Mais cette boutique du quartier des affaires d'Abidjan attend encore du monde. Nous avons dans l'année deux grosses périodes de soldes. On en a une en mars, pour le mois de mars, et on en a une qui démarre du 10 au 31 août. Ce mois d'août, il est assez calme, mais bon, on espère avoir, dès la première semaine, assez de clients pour démarrer la période des soldes. Pour le gouvernement, il s'agit de permettre aux petites bourses de s'offrir des produits de qualité à petit prix. Ben, c'est une bonne occasion pour la clientèle de pouvoir avoir des produits de qualité à des tarifs intéressants. Même si les soldes sont la réponse pour certains, la baisse du pouvoir d'achat de la majorité des Ivoiriens contraint ces derniers à plus de réalisme, les obligeant à se rabattre vers les petits marchés de proximité au prix beaucoup plus abordable. Ici, en matière de soldes, je peux dire que chacun a sa marchandise et chacun peut faire ce qu'il veut. Il peut diminuer comme il peut ne pas diminuer. Donc, mais ici, les choses ne sont pas chères. C'est abordable, les prix sont abordables. Les prix sont cassés, mais quand même tu as ta marchandise, tu vois que ça ne sort pas. Tu es obligé de descendre encore plus bas pour que le produit puisse partir et prendre encore d'autres produits. Malgré le rabais de prix des produits de qualité dans les grands magasins d'Abidjan, les périodes de soldes initiées par les autorités ne mobilisent pas encore de monde. Du moins, ne sont pas adaptées au porte-monnaie de l'Ivoirien qui n'est pas prêt de changer ses habitudes de consommation dans ce contexte de difficultés économiques.